Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Lana et son papa. Aujourd'hui, on va jouer à quoi ? Spring Rally. Oui, Spring Rally, qui est un jeu coréen qui n'existe pas encore en français, à mon grand regret, même si des règles en anglais sont disponibles. Donc c'est un jeu un jeu coréen qui a été imaginé par H.J. Cook et illustré par Aline Kerman et Chance Zhu. Donc un jeu, on va dire, très cosmopolite. Alors c'est un jeu de course, mais qui mêle aussi un jeu de pli. Vous allez voir, c'est très sympathique, c'est très original. Et les deux mécaniques, étonnamment, fonctionnent très très bien entre elles. Alors, on va vous rappeler quand même les informations utiles sur le jeu. Si je les trouve, c'est un jeu... C'est où ? C'est écrit où ? Ah, c'est là. Alors, Lanou, tu vas nous dire, c'est un jeu qui se joue à partir de quel âge ? 8 ans. Et pour combien de joueurs ? 3 jusqu'à 5. De 3 jusqu'à 5, et des parties de combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes ! Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie, et après on vous dira ce qu'on en pense. A tout de suite. Je vais gagner, c'est sûr, je vais gagner. Alors, on va jouer à Spring Rally, qui est un jeu coréen. Alors, le but du jeu, comme vous pouvez le voir avec le plateau, c'est une course. Donc, pour gagner, il va falloir être le premier à effectuer 2 tours complets du circuit. Alors, on a chacun notre petite voiture. C'est des petites voitures avec, vous savez, le petit mécanisme qui permet de les remonter pour les faire avancer de façon autonome. On a notre petit plateau vitesse avec la petite roulette justement qui va avancer au fur et à mesure. Et ça va, vous verrez que c'est un nombre de cases que l'on va pouvoir avancer quand on devient joueur actif. Enfin, je vous expliquerai. On a aussi sur le plateau, enfin à côté du plateau, on a un tas de cartes. Les cartes, c'est un jeu de plis à la base avec un plateau. Et celui qui remporte le pli va pouvoir faire avancer sa voiture sur le plateau. Ceux qui ne remportent pas le pli vont pouvoir avancer leur petit mécanisme de manière à gagner des déplacements gratuits au moment où ils gagneront un pli. Alors, la première manche, on va distribuer seulement 5 cartes. La deuxième manche, 7 cartes. La troisième manche, 9 cartes. En général, à la fin de la troisième manche, tout le monde a réussi à finir les 2 tours. En tout cas, le premier qui finit 2 tours, de toute façon, gagne la partie immédiatement. Comment ça se passe ? Vous allez jouer une carte de votre main. Il y a 3 couleurs disponibles, vert, bleu et rouge. Si vous jouez une couleur bleue, une carte de couleur bleue, le joueur suivant doit, s'il en a une, jouer aussi une carte de couleur bleue, et ainsi de suite. Si le joueur suivant n'a pas de carte de couleur bleue, il peut jouer n'importe quelle carte, sachant que cette carte devient prioritaire. Le joueur suivant doit malgré tout suivre la première couleur, donc le bleu. Si le troisième joueur n'a pas non plus de couleur bleue, il peut jouer une carte d'une autre couleur. Et à la fin, c'est celui qui aura joué la carte la plus forte dans la couleur qui a été demandée, s'il n'y a qu'une couleur représentée, ou alors la carte la plus forte dans la deuxième ou la troisième couleur. Celui qui gagne le pli va avancer d'un nombre de cases qui correspond à la carte la plus petite qui a été jouée sur le plateau. Les zones bleues, si vous vous arrêtez sur une zone bleue, vous allez bénéficier de la descente et pouvoir avancer gratuitement. Si par contre, vous vous arrêtez sur une zone rouge, vous allez devoir redescendre d'une case. Et n'oubliez pas, très important, quand il y a un joueur sur le plateau, si par exemple ici j'avance de 3, je fais 1, 2, 3, et après je bénéficie de la descente, c'est un avantage quand même relativement important. Allez, c'est parti. On fera certaines coupures pendant la partie, puisque les parties durent en moyenne 20 à 30 minutes si on joue doucement. Hop. Alors, si... Alors, évidemment, je suis premier joueur. Prends tes cartes, Lou. Alors, si on dépasse ici, on retourne le truc. Ouais, on retourne le plateau. On montrera quand on arrivera au deuxième tour. Sachant que les valeurs des cartes, quand on joue à 3, vont de 2 à 10 dans chacune des couleurs. Quand on joue à 4 ou 5, ça augmente de 1 à 15. Allez, c'est parti. Je commence et je joue un 10 bleu. Badaboum. Un 2 bleu, super. J'avancerai au mieux de 2. Moi, j'utilise un 3 bleu.
Ok, donc c'est moi qui avance. Donc vous pouvez avancer votre petit mécanisme. Et moi, j'avance de 2 cases et je suis orange. 1, 2, c'est pas terrible. Allez, c'est encore à moi. J'espère que le 10 vert n'est pas sorti. Ah, tu joues du rouge. Donc Takako, tu avances de 2 puisque la couleur, la deuxième couleur devient prioritaire et Lana est obligée de jouer du vert si elle en a. Donc voilà. Tu avances de 2 et nous on avance notre petit mécanisme de 1. Donc Lana, t'es déjà à 3. Hein. Ouais. 1, 2. Je suis à 3. Takako. Huit bleus. 5 bleus. 4 bleus. Takako, tu avances de 4. Déjà 6. Oh my god, miaou! C'est toi qui seras en 4, hein? Vas-y! Je n'ai pas. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 10. T'es à 10 déjà? Il faut que j'arrête de te faire monter par contre. Hein. Allez, dernière carte, le 5 rouge. Le 4 rouge. Et le 6 bleu, c'est le 6 bleu qui avance. T'avances de 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand on a fini la manche, on va faire avancer les joueurs. Alors, le dernier joueur, donc Lana qui n'a pas encore bougé, tu avances de combien de cases ? 15. De 15, puisqu'on fait redescendre à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, le fait de ne pas gagner des mains est utile parfois. Moi j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas terrible. Et toi tu avances de 3. 1, 2, 3. On revient tous à 0. Takako devient le premier joueur. On remélange les cartes et cette fois-ci on en distribue 7. Hop. C'est un 6 rouge. Un 6 rouge. Un 2 rouge. Et un 9. En plus, il m'a piqué. On lance de 2. 1, 2. Et nous, on gagne 1, ma puce. Oh, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Takako-sama. T'as pas de bleu. Ouais, j'ai pas de bleu. Eh bah, tiens, 2 alors. Méchant. T'avances de 2. 1, 2. T'es enfin arrivé à au bout de ton tour. Moi, je passe à 3. 1. Attends, Lou. T'as pas de bleu, quoi. Moi, j'ai pas de bleu. Je peux avoir pas de bleu ou pas? Bien sûr. Allez, 1, 2. T'as trop de 2, toi. J'aime bien avoir des 2. En plus, c'est jamais toi qui avance. 1, 2. Et moi, je passe à 6. Moi, je passe à 3. Ça qui est bien, c'est que toi, tu avances de 2 places, mais nous, on gagne 6 places. Ouais. Enfin, 3 places de plus. J'avance de 4 plus 16. J'avance de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah non ! Il manque une case ! Il manque une case ! Okay. Oh mais la tristitude ! J'ai du rouge ! T'as du rouge ! Joue du rouge ! Elle n'a pas de rouge. Ah, c'est Lana qui avance de 7. Et j'ai utilisé mon 6. Donc ça va, on avance de 13. Est-ce que je peux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, ah, t'es à une case de moi. Ok, dernière. Lana, tiens, dernière carte. Non. Yes. J'avance de 3. 1, 2, 3, plus 1 avec mon casserole. Et j'arrive ici. J'ai gagné. Attends, on va voir un moment. Mais Takako, elle s'est endormie. Hein. Nous, j'ai 16. Ouais, mais tu peux plus avancer. C'est fini. La partie est finie. J'ai fait mon deuxième tour. Encore un peu. Ah, il te manquait une case. Il est trop bien, ce jeu. Et voilà, c'était donc Spring Rally. Lana, est-ce que tu aimes ce jeu? Et si oui, pourquoi? En fait, j'aime bien ce truc. Le matériel? Le matériel. Ouais. Parce qu'en fait, si on perd avec les cartes, on peut faire avancer une fois ce truc. Oui, on gagne un petit bonus
comment on pourrait appeler ça, de turbo peut-être, ouais. On peut gagner avec ça. Et on peut gagner avec ça, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on peut ne pas gagner de pli et malgré tout très bien se placer dans la course. Oui. Alors le jeu se joue en deux tours. Le premier tour est moins tactique, le deuxième tour est beaucoup plus tactique. Et les cartes que vous aurez en main vont augmenter. Il y aura de plus en plus de plis, donc ça devient de plus en plus stratégique. Parce que le premier tour, on ne connaît pas toutes les cartes. On ne sait pas si toutes les cartes sont en jeu. Mais à partir du deuxième tour, enfin le dernier, on a toutes les cartes en main, donc on sait que toutes les cartes, toutes les valeurs sont en jeu. Donc on peut mieux réfléchir comment on va utiliser ces cartes. Oui. Alors au niveau graphique, le jeu est magnifique. Ces petites voitures avec des remontées mécaniques, là je trouve ça génial. Le matériel qui représente aussi le turbo, les cartes sont de bonne qualité. Il y a plein de petits jetons en plus. Il y a le plateau reversible, puisqu'on peut jouer des deux côtés. Il y a deux courses différentes. Donc bref, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. C'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Parmi les jeux coréens auxquels j'ai pu jouer, en tout cas, qui sortaient à ASN. Toi, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le jeu? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est un jeu de course. Oui. Mais il y a des cartes. Oui. Et en fait, c'est un trick-taking. Ouais, c'est un jeu de plis, ouais. Ah, le pli. Ouais, trick-taking, c'est en anglais. Trick-taking game. Ah, comment tu te la joues, genre je parle anglais couramment et tout, quoi. En fait, je suis bizarre. Il mélange deux trucs. Deux mécaniques. Deux mécaniques. Ouais. Et ça marche bien. C'est ouais. ça qui est le plus étonnant, parce que on pourrait penser en lisant la règle au début, mais jeu de plis et jeu de course, comment ça peut fonctionner ensemble? Et en fait, étonnamment, les deux fonctionnent très très bien, c'est très bien intégré dans le jeu, et c'est vraiment pour moi un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, c'est un jeu coréen qui a été imaginé par H.J. Cook, illustré par Aline Kerman et Chance Zhu, publié chez Mandu Games, donc un éditeur coréen, qui nous a gentiment envoyé cette boîte pour qu'on puisse en parler. Et j'avoue que je suis très content de l'avoir à la maison. Et voilà, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Lana et son papa. Allez, salut !